Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. On est de retour, désolé, en fait j'ai pris un peu de retard. J'ai tout déplanté. J'ai voulu allumer. Attendez, je m'entends. Je m'entends. Ah, ok. Ouais, j'ai tout qu'à planter, donc j'ai dû tout relancer. Ça a l'air assez. Assez constant en ce moment, donc reconnaissez plus les caméras. Il consommait 100% de mon processeur, enfin c'était la catastrophe. Mais alors il faut que je... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi je vais prendre une petite Doliprane de bon matin, parce que mal au crâne, il n'y aura pas laissé ça traîner. Bon, pas le temps de tout préparer encore, mais là ça devrait être opérationnel au niveau du système. Aujourd'hui on a prévu de faire du Zelda. Mais avant tout, je voulais savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous me racontez de beau et comment s'est passé votre week-end. C'était hop, Dr. Jones, comment tu vas? Ça va me laisser le temps d'apprécier mon petit café avant qu'on se lance. Aujourd'hui, on va faire de la tenue et de la mission annexe. Ça fait trop chaud. Attends, tu peux penser. On met le ventilateur. Et vivre au Québec, ça fait une semaine qu'il fait 18, nous. C'est fort agréable, mais c'est vrai que j'ai eu Terry hier au téléphone et qui me disait que... Une semaine de canicule était en train d'arriver chez vous. J'ai même pas eu le temps d'allumer les deux lampes derrière. Je m'en voyais désolé. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus fréquent, ce genre de situation. T'arrives à faire quelque chose quand même, ou tu restes juste à faire le lézard et attendre que la température passe? Malheureusement, ouais, ça risque d'être un peu récurrent, ces histoires de température avec changement climatique. Tu restes au frais. T'as la clim ou quelque chose pour te rafraîchir quand même? Et 37. Oh là là. Ventilateur, si t'as pas de ventilateur, serviette mouillée sur le ventilo. Serviette mouillée aussi sur les fenêtres. Ferme les volets et serviette mouillée suspendue aux fenêtres, ça va te permettre de refroidir un peu la température. Quoi de neuf cette semaine? Rien, si ce n'est que la mise à jour du PSIO était en fait un pétard mouillé, malheureusement. Le PSIO, c'était un petit boîtier que tu branches sur le port externe de ta PlayStation. Et qui permet de lire les jeux via une carte SD. C'était très prometteur, c'est sorti il y a un couple d'années ou 3-4 ans. Malheureusement, c'est pas mis à jour et il y a des bugs, il y a des lags, et donc ça c'est dommage. Quoi donc? On a une conversion de DuckTales sur Super NES, il faut que je télécharge pour tester. Donc le jeu NES, mais converti sur Super NES, ça c'est plutôt cool. Donc ça supprime les clignotants, les scintillements, etc. Pas grand chose de neuf cette semaine. Hein. C'était pas la folie niveau news. Bon, c'est pas grave, écoutez, nous on va se... Alors c'est sur Zelda, on va switcher de scène. Là, j'ai eu le temps de virer la scène de vendredi. Et voilà, on est parti. Ah, si j'ai pas...
Voilà. On va se mettre là. Et on va couper la musique. Donc on avait. Ça va, Joy-Con? Merci. On avait la tenue complète débloquée dans les labyrinthes. Donc la tenue Ganondorf de. Du spectre de Ganon. De Ocarina of Time. Donc ça c'est plutôt cool. Et si Calmandris nous rejoint, il nous donnera la liste de des tenues à débloquer. Ça, on pourra se faire ça. Petite mission. Une grotte. Une nouvelle grotte où on peut trouver de la nourriture. L'oiseau blanc et la grotte. J'ai pas tout lu. Chercher un oiseau blanc. Un oiseau blanc et au fond d'une grotte. Ok. Vers l'ouest. Ok, donc alors on va monter tout en haut et de trouver ça. Ça fera toujours une mission en plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ouais, déjà gagner un peu de temps. Eh ben non. Ah bah ok, on est tout en haut directement. Ben, en plus il y a un Korogu. Tenue contre le froid. Alors. Il faut trouver un sanctuaire. Vers l'ouest à la veillée. Il y a un arbre pour les grottes. Ouais, je vise le 100% à peu près, ouais. Ouais. Peut-être pas le 200%, mais le 100%, ouais, ça peut se faire. Oiseau blanc. Un rocher vert. Et je t'avouerai que bah, je m'en lasse pas du tout pour le moment. Ça viendra peut-être, hein. Ça viendra peut-être, mais... Ça devrait avoir peut-être un peu plus de vue
là-haut. En tout cas, je veux le max de cœur pour aller péter la tronche à Ganon. Ah, attends. Non, ça, c'est un caillou qui est tombé. Journal de l'aventure. Une grotte qu'elle a découvert. Le temps. Est rendue. Le zoo avait disparu. Elle a trouvé sur la place une grotte en question. Était là. Voilà, c'est dégueulasse, c'est des bestioles. Et si on allait se faire plutôt en fait, si on se fait le cerisier là-bas qui est. Putain, je l'ai perdu. Ça, si je le fais, si je l'active, ça, il va me donner toutes les grottes. Il est où lui? Lui. Il va me donner toutes les grottes, donc ça va être bon. Alors, ou alors, ce que je fais, c'est que, attends, on va mettre une balise de téléportation. Voilà. Je vais faire la mission des baleines, je pense aussi. Il y a des squelettes de baleines à trouver. Là, ça sent le korogu, là. Il y en a un autre squelette de baleine. Alors. Ah. Alors, hop, petite pomme. Voilà. Bon, au pire, je vais utiliser le détecteur hein, parce qu'il va me. Ah, il me dit où sont toutes les grottes. On va se téléporter là. Et on devrait y voir un peu plus clair. Salut Calmandris, comment ça va? Désolé pour le retard, gros plantage de PC. En ce moment, dès que je veux lancer en live, il faut tout que je reconfigure. C'est un peu la galère. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, l'oiseau blanc. On le voit, l'oiseau blanc. Vous voyez? Alors. Malinx. Alors, effectivement, une grotte. Hop là.
Alors. Narcine. Et on a en effet un sanctuaire là. Bien caché. Bien caché, bien caché. Hop là. Je vais faire, j'ai oublié de faire le petit tweet du matin. Merci encore pour ton clip, Dr. Jones, vendredi. X. Du coup, maintenant je cherche Twitter à chaque fois. Hop, coller. Les petits liens qui vont bien. Le CDI va bien. Le CDI va très très bien. En plus, le mec, il a la gueule. Comment s'appelle cet acteur qui était à chaque fois dans les comédies à la bronzée? Enfin, il a vraiment cette tronche-là, quoi. On dirait qu'ils ont pris un acteur pour ce truc-là et. Il jouait à chaque fois avec le Splendid. Je trouvais le nom, mais. Mais là, je trouvais Alain Juppé, cet acteur-là. Ok. Ça c'est fait. Ok. Blague du siècle, c'est dit va bien. C'était pas une. Enfin, c'était bien, enfin, cette invention-là, hein, mais. Alors, tac. Le marché domestique ne décolle pas malgré les 150 logiciels disponibles en 94. Les ventes en France n'atteignent que 30 000 exemplaires en 94. Eh oui, non mais. En plus, c'était. Il le vendait pas comme. Il le vendait pas comme comme une console, mais comme une station multimédia. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de logiciels interactifs dedans, notamment le truc des guignols de l'info, etc. Je me rappelle avoir. Si, je me rappelle en fait avoir quelqu'un qui en avait un. Edda. Ok. Ouais, c'était bien à Philips de. Enfin. Tu on peut pas enlever à Philips d'avoir voulu faire une console de jeu. Si ça avait marché, ça aurait pu être cool. Et c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. La concurrence permet aux protagonistes principaux de sortir les doigts et de lancer quelque chose de plus. De sortir toujours mieux. Sinon, ils font que se reposer sur leur laurier et puis. Et rester sur des basiques. La concurrence est très bonne. Alors, hop, recoller. Oui, mais après Philips sortait, enfin, bossait avec Nintendo déjà pour des accessoires. Je crois que c'est pas peut-être pas Panasonic. Yes.
Mais sinon c'est jamais le bon moment. Qu'on se le dise. Oula, j'ai failli atterrir dans les étoiles, moi. Et voilà. C'est jamais le bon moment. Regarde, Microsoft, ils se sont implantés. Il avait la PlayStation qui était très bien implantée. La Dreamcast se pétait la gueule, Sega, mais Sony était très bien implantée. Nintendo était là, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut les reins solides. Parce que c'est pas facile. Microsoft en plus est arrivé en mode cowboy. Ils ont voulu racheter Nintendo. Ils sont pointés chez Nintendo. Voilà. Ouais, bonjour, faudrait vous racheter. Et apparemment Nintendo a accepté de les recevoir et puis c'est là. Et on aura un cœur supplémentaire. Peut-être se faire une endurance supplémentaire, je sais pas. Quand même full en endurance. Hop. On prend toujours 2-3 champis, ça peut servir. Allez, infiltrons-nous. Est-ce que ça vaut le coup que je m'emmerde à faire ce truc-là? Voilà, attends, on va aller voir un peu les grottes qu'il y a là-bas. Il y a de la grotte, hein. Petit bot qui like mon tweet. Oh, attends, entre les bots et les mecs qui veulent me faire des émotes. Mais non, tire pas, tu tues pas l'ours. Mais non, fallait pas tuer l'ours. Bon, on va manger l'ours. Ah oui. J'ai déjà fait cette grotte. Bon. On va se re-téléporter là. Ils vont un peu plus clair. Et avoir une Air Grande comme Obi-Wan. Je fais de l'or, c'est la bière. Ici, ils vendent directement des kits pour faire le poulet en broche et pour y mettre une canette de bière dans le directement lui mettre une canette de bière dans le fion. Ça tombe bien, on est juste à côté de l'entrée. On va se faire une prêtresse pour récupérer l'endurance en plus. C'était pas là que je voulais me téléporter, mais bon, ça va marcher quand même. Comme ça, on va finir le quart de cercle d'endurance. On va essayer de se faire des sanctuaires en plus. Tant moins que Calandris revienne. Pardon pour le vase. Allez, endurance en plus. J'ai tout près ce que tu désires. De l'argent.
On est quand même pas mal niveau cœur, donc on va monter un peu l'endurance. Ok. Alors on a dit qu'on se téléportait. Voilà, c'est là que je voulais aller. Soit avoir une meilleure vue. Voir ce qu'on peut faire dans ce coin-là. Et puis sinon, on va partir sur une autre région. Alors, et puis sinon, on va regarder un peu les missions qu'on a débloquées. Ça nous permettra toujours de faire quelques sanctuaires. Alors, on était en train de se rendre vers là. Quelque chose là ou pas? On va lui mettre en... Ah, attends, on va lui remettre le plafond, à mon avis, ça va débloquer quelque chose, un Korogu, une connerie comme ça. Oups, pardon. Un peu de hauteur, ça me donnera meilleure vue. Alors. Allez, grimpe. Faire ça. Ouais. Voilà. Forcément. Allez, on disait donc. Mais merde, grimpe. Pas attends. Non, c'est juste ok. Il commençait à biper quand je me rapprochais vers là, donc est-ce que... Est-ce que c'était pour l'autre sanctuaire? Et on est au niveau d'une squelette de baleine. D'un squelette de baleine, pardon. C'est un coffre que je vois là. Ben voilà. Merci. Là, j'imagine qu'on a un Korogu. Voilà. Tiens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une madame par là? C'est ça. C'est une montgolfière. Pas celle-là que je vais faire en suivant sur la mission. Il y a un renard, il y a des chauves-souris. Bon, c'est les chauves-souris. On aura toujours des yeux en plus. Allez, petit, petit, petit. Et
Là-bas, y a des mogoblins. Du loukoum. Bon. Jeter un coup de verre là-bas, s'il n'y a pas quelque chose. Il y a des grottes d'ailleurs. Jeter un coup d'œil à la grotte. Ne sait-on jamais. En fait, et on est à la limite de la map. On s'en fout les gars. Oui, c'est ça, ouais. Alors, on a quoi là? Ta-ta-ta, ok, c'est un petit canyon. La chauve-souris qui a rien demandé. Ah, ben voilà. Eh ben voilà. Il y a un truc avec un rocher vert là. J'ai fait me prendre un rocher sur la gueule, moi. Il est pas tombé loin. Alors, on va l'activer. Alors, allez, annonce ton laser. Ok. Il est là. Aïe! Elle est mort. Et où ta tête à toi? Ok, c'est bon. Ouais, alors je vais me prendre une lune dans la gueule. Eh oui. Et montre-moi pas ta lune, mais montre-moi pas. Voilà. Ah ouais, du coup ça fait repopper là direct. C'est bon, on est fini? C'est une lune celle chez D. La légende de la lune de Zelda. Mon bouclier 24, c'est bon. S'en fout. On s'en fout un peu. Ouais, voilà. On peut le plein de ce qu'il y a.
Je sais pas quoi ça sert la gemme Nox. Oula. Merci pour la bombe. C'est tellement la dèche en fleur de bombe ici, dans ce jeu. Alors comment je le fais sortir ce truc? Je sais pas à quoi ça sert. Je sais plus à quoi ça sert, Jamnox. Ça doit s'échanger ou quelque chose ou vouloir de l'argent. Alors, je dois pouvoir faire une montgolfière à la limite. S'emmerder à faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Heureux. Heureux. Ça sert à quoi la gemme Nox? En fait, on parlait de la gemme Nox. Putain, je suis pas bon, hein. Alors. Ouais, voilà. Putain, et je fais du caca. Ok, et maintenant. Alors, je suis au-dessus du trou. Ouais, je suis au-dessus du trou. Attends, on va se remettre un poil un peu plus. Voilà. Attends, on va récupérer la corne. Ça peut toujours servir. Et on va prendre un lance-flamme. Alors, attends, est-ce que moi, est-ce que j'ai une arme de feu? Je vais peut-être se faire une arme de feu. Alors, est-ce que j'ai pas un... J'ai pas un rubis qui traîne? Putain, j'ai des... Un rubis brut, ah si. Je vais le prendre. Je peux pas le prendre? Pourquoi je peux pas prendre le... Ah. Assez? Ah shit. Alors. C'est une pierre rare, l'appareil. Qui... Ok, c'est juste pour de la thune. Lance-glace, lance-flamme. Allez. Ok, super. Allez, on va rapprocher ça.
Bon, comment tu vas? Comment ça s'est passé ton week-end? Je suis passé hier pour Crime Story, mais j'étais en plein milieu du film. Et ce matin, bah, gros plantage du PC. Je pense que je devrais faire un formatage dans pas longtemps, mais ça commence à me gonfler. Ouais, j'essaie de viser quand même, hein. Tu l'as ramené en un seul morceau, c'est bien. Tout s'est bien passé. Ok, une batterie, je prends. C'est bien. Et un petit quart de cœur. Visiblement, la batterie ne serait pas neuve, mais tu l'as acheté au garage ou... C'est chaud. Bah, tu vas te faire rembourser une petite batterie, c'est bien. Et vu que c'est l'alternateur, tu vas pouvoir repartir sur ta batterie, sur l'ancienne batterie. Ok, hop. Alors, ce petit sanctuaire, c'est fait. On va garder cette épée pour autre chose. Attends, on va remettre, passer l'épée sur l'épée que j'ai couplée avec une orbe sono pour comme un con. Attends, ça c'est nouveau. On va faire la photo. On va bouger. On va bouger. Libellule glagla. C'est ça, j'entends juste qu'il me le remplace par une vraie neuve en direction de Carrefour. Bah ouais, mais après, il faut voir. Vérifie ton alternateur quand même. Hein. Est-ce que j'ai de quoi péter? On va péter avec ça. On va fusionner avec un caillou. Violet, ok. Merci. Peut-être qu'il y a un autre rubis là. Attends, pardon. C'était quoi ça? On va s'emmerder par des cailloux. Allez. Ah ben voilà, un truc. Une petite bombe. C'est normalement, t'aurais pu démarrer avec une batterie neuve, c'est juste qu'au fur et à mesure, elle serait encore vidée et si c'est l'alternateur et t'aurais pas pu... Et t'aurais pas pu. Hop là. Et t'aurais pas pu repartir. Ok.
Ouais. Oui, t'embête pas, c'est vrai, c'est dimanche, profite de ton dimanche. Ta beauté en baigne-toi. Ok, c'est bon, c'est plié. Allez. Alors j'aimerais bien, donc ouais, si tu peux me donner les coordonnées de la tenue sono pour avoir la batterie infinie. Et nous on se faisait quelques sanctuaires comme ça pour tester, pour voir un peu, hop, on en profitait. Faire des trucs en vrac un peu en t'attendant. Là on a quelques arbres. Ouais, c'est bon les gars. J'imagine que là, on a un Korogu. Non? Si, examiner. C'était une flèche, on s'en fout. Ah, t'as un caillou là, on va prendre un peu de hauteur. Ah non, il est tombé dans le vide, dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mettre des fruits là. Ils sont les petits piments. Voilà. Ça va faire un petit coup au goût si je fais ça. Attends. Ok, et on va mettre ça là. Bon, ça va faire apparaître un Korogu. Visons bien. Yes! C'est un peu fort. Merci. Sache que dans un JDR, je me ferais carrément maudire. Hein. Récupérer les trucs que j'ai déposés dans une offrande pour les dieux. Alors, casque, tenue. Ok, oh, attends, on va juste monter en haut de ce colline là parce que je suis curieux. Même si je pense qu'il n'y a rien. Madame va partir faire du paddle en plus aujourd'hui, donc ouais. Bah c'est bien, ça me laisse un peu de change. On va regarder ça de suite. Juste monter en haut de cette colline. Là on a un loup. Oui, je sais, c'était bientôt tout. On s'en fout. Hop. Alors. Là, il y a une ruine, on va jeter un coup d'œil à la ruine. Prendre une vraie épée.
Faut que je la pète et que j'use le truc que j'ai. Ok. Ok, là on a un griok, on va lui foutre la paix. Et tu me diras, j'ai des yeux. Est-ce que j'ai des arcs? Est-ce que j'ai un arc à plusieurs flèches? J'ai pas vraiment d'arc de dingue. Hein. Visée rapide, Attends, je vais me prendre un arc. Je vais me faire un arc. Tu me dis que chez les piaf, il y a des arcs. Il y a un arc à plusieurs flèches. Mais chez les piaf. Et après on va s'occuper de ça. Comme ça on se fait le griok. Il y a peut-être un truc là au niveau du griok, il y a des ruines. Bah c'est ce que. Bah écoute, on va faire ça. On va juste trouver la bonne mission. Alors, qui c'est qui me donnerait une petite mission? Je patrouille, c'est bien, c'est ta vie. Alors. Je suis la princesse Zelda. Chansonnet, blablabla. Trésor, sommeil en trois sources secrètes, pleine montagne. Et... Trésor caché. Ah, j'ai déjà trouvé. Eh ben voilà, j'ai déjà fait. Ok, ben ça c'est fait. Un chef du village, péqué, blabla, on m'accable, fait du temps. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, 5 fagots de bois, 3 diamants bruts. Alors, 5 fagots. Oui, je veux l'arc. Alors, qu'est-ce que j'ai pas? Si je me dis, c'est fagots de bois que j'ai plus? Alors. Pourtant si j'ai fagot de bois, c'est diamant brut que j'ai pas. La zone d'entraînement pour le vol. La zone d'entraînement pour le vol, c'est là où il y a le. C'est en haut là sur la plateforme. Opale brut, topaz brut. Non, si j'ai des diamants bruts. Un arc hirondelle, il faut 5 fagots de bois ainsi que 3 diamants bruts. Ah oui? Ah, il manque l'arc, ok. Alors. Merde, elle est là l'entraînement de zone, la zone d'entraînement pour le vol. Alors. C'est là la zone d'entraînement, non? Hmm.
Alors dans la boutique. C'est pour les flèches. C'est en dehors du village? Ok. Trop glu lumos. Alors. Est-ce que je la vois sur la carte là dans l'entraînement? Casette des bois. Attends, je vais jeter un coup d'œil en entraînement pour le vol. Ah. Alors, ville Piaf, région confin, nanana. Ah mais je veux la zone plus haut. Col de Pigard, ok. Terre de Chansonnet, prairie gelée. Plus bas. Ah, Col le Pillard, ok, c'est là. Ok, on va se téléporter là. Le fameux comique français, Jean-Marie Pigard. Alors. Je suis grippe sous, hein. Ok. Et en fait, il faut que je fasse ça ou... Attends. Alors, les flèches, on va virer un arc. Ok. On est reparti. Allez, on va faire ça, on fait le grilloc, et puis après on va aller se récupérer la tenue.
Coucou. Allez, je l'arc. Et en fait, il fait juste du bruit, des trucs pour faire genre il travaille. Ok, alors se remettre en téléportation là-haut, prendre de la hauteur. Non, bon, parce qu'il y a un truc un peu plus haut et on va se attaquer le Greyhawk par les airs. Moi, ce qui va attendre. Non, j'ai pas plus de lieu pour me téléporter là-haut. Alors, si je dis pas de bêtises, il était vers là. Ouais, c'est ça. Ouais, on plane. On va voir, il y a un gros truc carré là, on va voir ce que c'est. Oh, le clipping quand même. Heureusement que le jeu est bien. Allez, grimpe. Un bout d'île. Oh bah génial. Ok, il y a un coffre. C'est dommage. C'est dommage, tu peux rien faire, il y a la grille. Il est où ton pote ça? Ouais, il était sur la route. Il est où? Mais non, mais c'est bon. Ouais, vous voyez, c'était sur la route. Bien parce que c'est toi.
Alors. Allez, allez, on pique. Ouais, c'est pas trop mal. Il est où? Il est où? Il est tombé où ce con? Il est tombé où ce con? Tu vois qu'il est reparti de l'autre côté? Oh putain, il a glitché, il est reparti de ce côté. Oh le truc relou. Ah non. Il est où ce... Et il est là, ça va. Tu vois comment t'as roulé jusqu'en bas, toi? Et d'ailleurs, il y en a un autre là. C'est de sérénité. Qu'est-ce que j'ai vu là? Caillou. Forcément quelque chose là-dessus. Un rocher avec une urine comme ça, toute seule. Bah oui. Forcément. Ah, c'était journée Korog aujourd'hui, hein. Merci.
Ah ouais, en effet, c'est journée Korogu, ouais. Alors. Ça? Voilà. Je crois que j'ai jamais fait autant de coups d'affilée. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça là, le Yok monte la garde. Ben voilà. Eh ben on n'aura même pas affronté le Griok. Est-ce que je sais lire ça? Un trésor à nul autre pareil, obtenu dans la mystérieuse contrée, t'attend à l'intérieur de ce coffre caché. Résous l'énigme ici gravée. Les choses du rêve seront les tiennes. Sur les plaines d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire autrefois s'affrontaient, offre ton espadon de soldat aux deux combattants de pierre. Et le chemin vers une récompense sera réveillé. Pointe d'épée. J'offre mon trésor à quiconque personne à un mystère. Ok. Tunique du rêve. Ok, alors maintenant on va regarder. Alors, 35,93. Attends, c'est quoi ça? Ouais, c'est une bah, par hasard, tu vois.
Wow. Est-ce que j'ai déjà le pantalon? Culotte du prélude. Chaussures du vent. J'ai pas l'impression, hein. Ouais, trié par... Ben non, tu vois. J'ai trouvé celle-là aussi, par hasard. Non, je crois que je l'ai débloqué en... dans un coffre en faisant les amiibo. Alors, comment on trouve ton truc? Mais écoute, celui-là. Alors attends, après je me trompe. Non, celui-là, je l'ai trouvé avec un amiibo. Celle-là, je l'ai trouvé dans un avec un amiibo hier. J'ai eu ça et j'ai eu. J'ai eu quoi? J'ai eu le tissu de Majora. Et j'ai eu le tissu tonique nostalgique. Alors... Comment elle s'appelle les tenues? Il faut les avoir dans les airs. Ouais, la tenue Sonium, ouais. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux retrouver Parce que je pensais que quand tu te déplaçais, t'avais les coordonnées qui se déplaçaient également, mais non, il faut que tu sois à tel endroit. J'imagine que c'est dans les airs. C'était porté par là.
Alors. Ouais. C'est par là, j'irai. Alors en plus, il y a des trucs que j'ai pas débloqués là. Alors, c'est le sens nord-sud, le deuxième à l'ouest, troisième. Alors, 36, 71. Toi, tu m'as dit. Trente-cinq, 93. Déjà, on va faire ça. Là, il y a un sanctuaire là. Quoi là-dessous? J'ai déjà fait en fait ça. Il y a un coffre là-dessous. Comment? Alors, je peux la tourner. Mais attends. Ah merde, ouais, ok.
J'imagine que l'entrée maintenant, elle est dessous. Ah ouais, ok. Alors, j'ai pas mis au bon endroit. Ok. Est-ce que là, c'est ok? Là, ça me semble beaucoup mieux. C'était par là. Yes. Votre sage, je prends. Bon. Merci. Alors, on a dit 35, je suis à 38. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est le temple de l'eau. Tu. Alors, imagine que le centre de la map, c'est les coordonnées 0. Ouais. Mais alors 38. Tout à l'heure j'étais vers 35 et j'étais là. J'étais où? J'étais vers là. Donc si je suis à 30, 38 là, il faut que j'aille plus au sud. Plus vers là, j'imagine. On va essayer d'aller plus vers là. Attends, hop.
Merde, elle est où l'île avec, avec la catapulte là-bas. Ok. Hop. Radius, ça servira toujours contre les mains, ça. Là, je fais face. Plus dans cette direction-là. Si je fais ça. Là, je fais face au sud. Ok. Plus dans cette direction-là, j'imagine. Ouais, 36. Ah, attends, il y a une boule toute seule dans le vide là. Que je ne semble pas avoir coupé. Trente-cinq. Alors, attends, si je me téléporte par là et que je saute dans le vide, je serai plus haut. Je suis à quel endroit là? 33. C'est là qui est dans le vide là. Trente et un, pas du tout, je pars dans la bonne direction là. Par là qu'il fallait que j'aille. Honte, pas du tout. Trente. Ah, je suis trop au sud là. Attends, elle est où ce saloperie? Attends, j'ai perdu. 30. Oui, hein, je m'en sors pas. Hein. Je ne m'en sors pas. Alors. Ah ouais, je relis bien les coordonnées. 35,93.
Attends, et là? Moins 35,93. Ok. Non, je ne sais pas lire. Non, je ne sais pas lire. Donc moins 35,93 et que le milieu de la carte est là. Je suis complètement l'opposé, tout à fait. Ben, si j'avais eu le guide, moi. Oui, il faut savoir, ouais. Alors, là, je vais être où? Le truc, c'est qu'il faut s'y téléporter pour savoir où tu es. C'est dommage, j'aurais pu mettre dire voilà, tu te déplaces sur la truc et sur la carte et tu t'as les positionnements. Non, je pense que je vais faire une petite pause pipi. Je réfléchirai peut-être mieux la vessie vide. Alors là, je suis où? Moins 36. Donc on va s'envoyer en l'air. Est-ce que attends, moi, est-ce que j'ai un truc de téléportation? J'ai un truc de téléportation par là. Moins 38. Alors elles sont les couilles ventes là. Grâce au radar. Ouais. Sept 38 42, donc c'est dans cette direction là. Trente-huit 28. Est-ce que j'ai ouais, j'ai débloqué le truc déjà. Non, fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu moins de brouillard, s'il vous plaît? Huit 18.
Tout ce qui est en clair, c'est là où je suis allé, ou je suis dupe. Alors. Je vais regarder un peu autour de moi. Je remets ma map, oui. Archipel de l'Est d'Ebra 37, donc je dirige bien vers le sud. Il y a un archipel. Remets, j'écris. Oui, j'ai remis. Je descends. Encore, c'est vachement bas. Juste ici. Ok, c'est là. Alors, attends, je suis vachement haut. Je vais me téléporter là plutôt. Donc, il faut que j'aille là. Téléporter là. Vous là, toi aussi. Un ennemi vous semble fort, améliorez votre équipement. Ouais. Un ennemi vous semble fort, devenez plus fort. Merci pour l'astuce, Nintendo. Oh, 23, je suis vachement bas là. Alors. Ok, il faut que je monte. Faut que je monte. Ah, c'est pas là, il y a eu le. Je lui demandais à remonter, puis tant pis, je lui ai sacrifié une orbe. Après, une fée. Faire plonger, c'est là que je vais directement en haut, je pourrais planer. Puis on va faire tac, on va mettre. Sont les autres. Ouais.
Ils sont au museau de balise, bon, c'est pas grave. Alors. Ça serait par là? C'est vachement haut quand même. Alors je vais me faire un véhicule. Tac, 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 tac. Non, mais arrête d'appuyer sur le mauvais bouton en fait, Jean-Michel. Je suis dans la bonne direction. Non, non, non. Fous-moi la paix. Oh la paix! Chier! On a dit d'aller dans cette direction. Et oh. Allez go. On va se faire une deuxième, hop, une petite orbe. Voilà. Ça donne quoi? Ouais, on est dans la bonne direction. Ok, la chute d'eau est par là. Là, je suis au plus haut. Est-ce que c'est dans la boule qu'il faut aller? Non, ok.
Ouais, bien sûr, je regarde la carte. Normalement, moi j'ai noté cette île-là. Ok. Il y a un petit vestige sono là. Sonao. Est-ce qu'il y a un Korogu juste là aussi? Effectivement, un Korogu. Il y a. Une petite épreuve d'orientation sur cette île, je me souviens bien, ok. Alors attends. Ah, un petit corps au passage. Alors, du bon côté. Faut vraiment que je fasse une pause pour pisser. Par contre, je vais activer ça, mais. Il chasse ténèbres. Alors, enfin, pause pipi parce que j'en peux plus. À de suite. Que je retourne après. Alors déjà on fait plein de poissons. Petite fille qui va bien. Il a des PV lui. Ah, voilà. Moi, je perds des points de. J'ai froid ou comment ça se passe? Ah, j'ai froid. Il fait plus froid que prévu. Ah. Est-ce que ça marche, hein? Ouais, ça marche.
Alors. Ouais. Alors. Ouais, pas de soucis. Qu'est-ce que tu lances comme film? Okay. Ouais. OK. Ok. Où toi? Lui mettre dans la tronche à lui. Ah, Jackson dans le Bronx, il est sympa et bonne scène d'action. Ah, bah voilà, qu'est-ce que ce lien? Mais j'en ai un de bouclier miroir en plus. Ouais. Ok. Y a quand même un sanctuaire par là. J'ai pas vu l'escalier. Ah. Allez, cette fois-ci, dans le Bronx.
C'est aussi pipi, je reviens. Mais voilà. Avant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le sanctuaire, enfin la tenue, elle est juste posée comme ça dans un coffre au côté du sanctuaire. Ça aurait pu être la récompense du sanctuaire ou un truc comme ça. Ça perd un peu en mise en importance du truc, quoi. Commode comme ça avec son casque de démon. Pas grand étoile. Allez, Edin, plus que deux. PlayStation, ouf. T'as pu regarder pour les jeux d'arcade ou pas? S'il se lançait? Son côté? Bon, attends, on va enlever la balise. Donc le deuxième, tu m'as dit, j'ai le Twitch chat qui est là, 23. Ah. Ok. 23,75. Alors, Azenitsonium. Alors, elle est où la deuxième tenue? Ok.
23, ça doit être. Ok, on va essayer d'aller par là. Comment j'y ai? C'est loin de tout. Et toujours dans le ciel, ouais, j'essaie de me repérer. Ouais, c'est plus près quand même là. Je vais me téléporter là. On a combien de sanctuaires du coup? 98 sanctuaires. Faut qu'on arrive au 100 aujourd'hui. Ok, c'est vers la Lille. Alors, j'arrive vers là et après que j'arrive là. Ah bah GG. Attends, je vais aller vers là. Je vais aller d'abord vers là et après je vais prendre la tenue des poissons. Tenue poisson. Attends, on a fait les 150 sanctuaires. Félicitations, il en reste encore quelques-uns, nous. Allez, même avec trois cercles d'endurance, ça bouffe, hein. Pour se faire un petit peu de fées, faire quelques fées. Toujours bien d'en avoir. Ça m'a sauvé les fesses plus d'une fois. Eh non! J'ai déjà fini les 32 du ciel, maintenant c'est structure cachée. Eh ben merci en tout cas. Merci de Jones, bonne fin de dimanche. À toi, à la prochaine. Ok. Bon, j'en ai eu deux déjà, c'est déjà pas mal. Bon, alors. J'imagine que c'est l'île que je vois là.
Ça, c'est la méga île là-haut, là? Est-ce que si... Si je vais là d'abord... Se refaire une petite moto. J'y suis allé sur cette méga plateforme, 20 méga lille là. Ça aurait le coup d'y aller en fait. Ça te fait un bon live avec 20 sanctuaires à faire sur le live. C'est quoi cette méga île là? Ah, mais il y a 5 tueurs à proximité en plus. Alors, attends. Bon. Déjà, on va regarder qu'est-ce que nous dit cette île. Un gros arbre. Cours à vous. Voilà. Il est un peu à trop chambier celui-là. Ensuite. Ok, il y a un truc à ouvrir là. Il y a un truc à ouvrir là. J'imagine qu'il faut que je trouve. Il faut que je trouve un truc rond, un interrupteur. Alors, on va descendre le long de l'île. On a une grille. Ouais. Il y a rien.
Y a rien. Ah bah voilà. Ah, là, attends, on va faire sur le courroux en passant. Alors. Ok. Un dragon. Allez, on grimpe. Ah, c'est pas très haut. Allez, grimpe. Allez, saute. Ok. Ok, ça va activer de l'air. Il faut qu'il me permette de monter pour redescendre. Allez, on grimpe. Ils expliquaient un peu plus pourquoi il y avait ces formes là, on dirait le château dans le ciel avec ces tours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tenue de chute libre, tant qu'à faire. Ok, faut que j'aille sans toucher les câbles. Hello, comment ça va? Alors attends, on a un moment de grande concentration. Comment tu vas? Bienvenue, installe-toi. Bah écoute, ça va, on est en train d'essayer de trouver un peu des tenues dans Breath of the Wild, dans Tears of the Kingdom. Voilà, bah attends, c'est des malades, eux. Et... Ah, ah, shit. Trop précipité. Toi aussi? Bah écoute, c'est ce qu'on... Bon, on a encore de la marge hein, parce qu'on est à... On est à 98 sanctuaires. Il a l'air plus large celui-là. Mais on avance petit à petit là, on se fait la tenue Sonium. La tenue Sonium, ouais, tenue des Sonau. Parce qu'ils sont Sonau. Ah! Oh putain, je suis passé. Oh putain, je suis passé. Non! Oh le cul. Je passe à la... On dira la maîtrise, mais... Mais je n'en ferai rien. On dirait que c'est du skill, hein? Ah bah c'était de l'eau, ça. Bon. Ah, c'était du skill.
Et t'en es où sur ton... hop là, attends. Moi j'ai fait 152, 152, ok, bien. 120, 120, j'ai fini l'encyclopédie, presque toutes les tenues. Et 300 cours au goût. GG, attends, on va aller se faire le... On va se faire le sanctuaire, il va nous dire à peu près où on en est. Je sais que donc je suis à 100, à 98 sanctuaires. Hop. Et on va voir où on en est au niveau des Korogu. J'ai encore pas mal de racines à faire. 64%. Ah mais... ils veulent rentabiliser le... Ils veulent rentabiliser... le jeu. L'avantage c'est que voilà, c'est que... tu l'as, il te tient un certain temps. Alors le sanctuaire il est où? Il est là. Alors, petit temps de chargement, ça va nous dire où on en est exactement. 98 sanctuaires, donc 99. Voilà. Hop, 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 125, 125 euros. Elle était bien plus loin que nous. Oh, fais chier. Combat des armées à pesanteur. Ok. Alors. Ouais, j'ai commencé une semaine après la sortie, mais j'y joue qu'en live, donc bah, j'y vais pas forcément super vite. Ah. Oh. Moi la paix! Celle-là de technique. J'ai pas été très 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 stratège. Ok, ça pue du cul. Sans mauvais. Putain, j'ai plus d'armes. Ah, c'est bon, faut me la paix. Est-ce qu'il n'y a pas des armes à récupérer, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des dinosaures dans votre parc à dinosaures, s'il vous plaît? Un peu du cul quand même. C'est bon, il n'y a plus rien, voilà. Je vois pas comment je peux les poutrer sans armes. Ah, je peux essayer. Attends, si. Ça bug, tu peux pas écrire. Bah là, ça marche, hein. Mais ouais, kick. Kick, c'est pas toujours au point, ça reste une bêta. Hein. C'est quoi, on va dire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Hop. Voilà. Vas-y, frappe. Voilà. Merci. Merci pour les flèches, merci pour le gourdin.
beaucoup. Allez, frappe! Allez, frappe! Merci, ouais, donne-moi ça. Alors, ta-ta-ta-ta-ta-ta, 100%. Grotte, les puits des abîmes générateurs et temple. Ouais, y a une chute de trucs à récupérer. Alors descends toi l'ascenseur. Ça va, ça se passe, on a moins bien commencé quand ça ne se termine. Déjà, ça. Non. Alors attends, je sais que je vous lise un peu parce que là j'ai perdu le fil. Alors attends, c'est pour la connaissance sanctuaire, les racines, les korogus, les grottes, et puis les abîmes, les générateurs, les larmes du dragon, les temples, découvrir tous les lieux, ça reste... En plus, ouais, il y a le 200% aussi, je crois, qui rentre en compte. Ouais. Eh merde. Hi. Ok, alors. Est-ce que j'ai un autre... Ok. La mort par le ciel. Voilà. Il est où le dernier? Il est là. Ok. C'est la chute. C'est la chute. Voilà, c'est bon. Merci pour l'équipement. Curseur qui me gêne. Ok, alors, est-ce que j'ai tout récupéré là? J'ai récupéré ma tenue.
Allez hop. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la tenue ou... Non, c'est juste sonium. Alors elle est où cette tenue là? Alors, ta. Allez, laisse-moi sortir. On est bien. Donc on est tout en haut. Alors est-ce que c'est comme l'autre, c'est pas loin d'ici? Ok, alors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un caillou. Lance de somme surpuissante. Ah, regarde là. On va grimper sur la grosse marmite. Ok. C'est un coffre que je vois là. Alors. Ah, ils sont géants. Ok, les ont foutus derrière les. Ok, alors attends. Est-ce que si je jette une gelée dans la lave, ça va me faire de l'eau, ça va me faire une plateforme? Genre ça. Non. Ça me fait. Ok, ça me fait juste une. Une gelée. Une gelée en. Qu'est-ce comment je peux faire un fruit d'eau? Un fruit d'eau peut-être? Ça. Si je le prends. Ah. Oups. Alors. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Non. Ah si. Si. Yes. Ouais. Ok. Et on a la tenue. Et il nous restera la dernière à récupérer qui était à quel endroit? Et le pantalon, il est à 44,68. Alors, 44,68, ça va être où sur la carte? Quarante-quatre, soixante-huit. Si je me mets sur la map, ça va être vers le nord. Ça devrait être. Si je me téléporte là, ça donne quoi si je me téléporte là?
Ramol. 34, eh, on est pas mal, il faut que je monte un peu plus au nord. Je crois qu'il y a un véhicule par là. Distance d'affichage est ouf. Allez. Ouais, il y a un véhicule par là en plus. On va lui foutre au taquet de réserve. On pourra se déplacer tranquillement. Okay. Dernier réservoir. Alors, 37, ok. Alors, hop. Trente-quatre, ça doit être, j'imagine, vers là. Mais en fait, je peux peut-être y aller en direct si j'y vais en direct par là. C'est des trucs que j'ai déjà fait précédemment, donc ça devrait m'aider. Alors, je suis où là? Ouais. Alors, elle est où la burne? Oh, la burne, t'es où? C'est plus haut, c'est plus bas. Je suis censé la voir là. Elle est là-haut, ok. Ouais, au moins l'air. Encore plus haut, encore plus haut. Ah ouais, bonne idée. On va prendre ça plutôt. Ouais, on va prendre encore un. On a toujours plus de hauteur pour l'atteindre. J'imagine que c'est le même principe que l'autre. Il faut tourner le truc.
Parce que là, j'y suis, là. Ouais. Ah, j'ai loupé un truc. Ok, il faut que je... Oula, ça va être chiant. Il doit y avoir un caillou plus bas. Alors. Ouais. Quoi, virer ça. Alors. Alors, tac, alors. Pas tout à fait la trajectoire. Tombe pas trop mal là. Non, je suis pas droit. Non, 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 il y a vraiment un caillou. Panier. Ok, alors. Il faut que maintenant que je monte. Alors, il est où le trou de balle du rond là? Il est là. Yes! On y est passé. Et on devrait avoir. Trop bien! Allez, on va changer la tenue maintenant. Et c'est la classe! C'est la classe cette nouvelle tenue! Très, très aztèque, ouais. Et ben voilà, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que oui, ça fait déjà 3 heures qu'on live, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Ok, il faudrait que je l'améliore avec les fées. Bah écoute, ça sera à faire sur un prochain live. Et ben prochaine fois, on pourrait se faire aller se faire le temple du feu. Attends, j'ai récupéré cette balise là. Effacer la balise. On pourrait se faire le temple du feu la prochaine fois, aller voir un peu les Gorons. Au nord. Parce qu'au nord, ce sont les Gorons. Et puis voilà. On va atterrir quelque part, faire une petite sauvegarde. Parce que... Je suis où là? Il y a encore pas mal de trucs à voir au sous-sol. La carte du sol reste encore pas mal à explorer. Hein. D'ailleurs, j'ai celle-là à faire. Il y a encore 3-4 abîmes à découvrir. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Le sol, là, j'ai du retard. Il y a du retard. J'ai pas du tout fait aussi... Bah c'est ça, c'est le truc d'immobilier, ça. J'y suis même pas allé, je crois. C'est quoi, ça? Ok. On va jeter un coup d'œil. J'ai même pas encore fait la maison de Link et tout ça, j'y ai pas touché du tout. Ah, oh, cette map est tellement cool. Le petit village Ikea. 2-0. Bah t'as regardé, en plus on va en profiter. On va se faire un quart de cœur supplémentaire là. Alors, est-ce que je peux avoir 4 Alors. Il y a 4 vœux de sage. J'ai que 3 vœux. Ok, j'ai rien à les faire. Et là, je vois qu'il y a un truc à apporter aussi. C'est un truc que j'ai pas du tout exploré encore. Ouh, moustache. Alors. Mon aura est payante. Ouais, je te file 20, ok. Il est sous. Hop, je peux pas lui prendre. Je vais bien me le vendre, saloperie. Ok, ça descend. Hii. Et ça fait bien la fin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont un peu par là? Ah mais en fait, ce jeu est interminable. J'ai pas fait lui. Non, on va juste faire ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va le faire vite fait. Ça fera toujours une mission en moins à faire. Mais il faut que je coupe.
Allez, c'est parti. La fusée. Vous bougez pas trop les doigts, les gars. Vous cherchez un peu. Vous avez des archéologues Ah, une fleur radieuse, ok. Gentil. Tiens, je te donne une fleur. Ah, mais c'est trop sympa. Bon, allez. On va s'arrêter là. Cette fois-ci, allez, coup de sauvegarde, on s'arrête là. Sauvegarder. Et on reprendra vendredi prochain. Sauf si j'ai des émissions à mater, sinon ce sera le dimanche. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le planning des émissions, c'est le vendredi à 22h pour la France et le dimanche à 16h pour la France également. Donc vendredi 16h au Canada et 10h au Canada également. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va... On rebascule là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. On change de caméra. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, voilà, on se couper là. On va peut-être lancer un petit raid qui est en live. Eh ben, Hyperion est en live en train de se faire. De se lancer le truc. Ben, en train de mater le Jackie Chan dans le Bronx. Donc, on va faire le petit raid qui va bien. Temps de lancer le raid. Ça, petit film de Jackie Chan pour votre soirée. Jackie Chan et après du FF16. Et ben voilà, c'est parfait. Donc vous avez votre soirée qui est planifiée. Nous on se retrouve vendredi prochain 22h. N'oubliez pas. D'ici là, passez une bonne semaine, bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end. Éclatez-vous bien. Et pour la semaine. Je vous laisse une petite minute avec l'écran de fin. Et puis, on raid dans une minute. Allez, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Ciao les copains.